Salut, papa. Tu sais, je me rappelle du temps d'avant. Je mesurais 1 mètre. Je pesais environ 25 kilos. Chaque centimètre de toi. Ce samedi matin, allant travailler avec mon père, grimpant dans ces grands camions verts, j'ai pensé que ces camions étaient les plus grands de l'univers. Je me souviens combien le travail que nous faisons était important. Si nous ne faisions pas, les gens gèleraient à la mort. J'ai pensé que tu étais l'homme le plus fort du monde. Rappelle-toi de ce film à la maison. Maman s'habillait comme le Taïon. Classe et match de foot. Le jour où j'ai quitté la Californie pour rentrer à la maison avec le FBI à ma poursuite. Cet agent du FBI. Trout. Quand il a dû se mettre à genoux pour mettre mes bottes, tu as dit. C'est là que tu appartiens. Fils de pute. Mets les chaussures de George. C'était un bon jour, papa. C'était vraiment quelque chose. T'en souviens-tu? À ce moment, tu m'as dit que l'agence n'était pas réelle. Bien. Vieux monsieur. J'ai 42 ans. Et j'ai finalement compris ce que tu voulais me dire. Tant d'années après, j'ai enfin compris. Tu es le meilleur papa. J'aurais espéré faire plus pour toi. Avec plus de temps. Dans tous les cas, j'espère que le vent sera toujours derrière toi et le soleil sur ton visage. Et que les vents du destin te porteront en haut vers les étoiles. Je t'aime, papa. George.